Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend où on s'était arrêté la dernière fois, après bien évidemment avoir instauré les lois de succession, plutôt même les lois de d'autorité de la couronne de l'Empire byzantin. Alors on se retrouve tout de suite, après que j'ai aussi eu quelques revendications entre temps. Hein. Notamment les revendications sur Venise, hein, que j'ai tenté d'avoir. J'ai aussi eu quelques revendications dans les états du Pays de Galles qui appartient à l'Écosse. Attendez, est-ce que j'ai assez de bateaux? Oui. Et j'ai aussi quelques revendications, bon, ici en Russie, bon, c'est la Russie après tout. Et je me suis permis de faire quelques petites guerres saintes en même temps. Bon, voilà, vous n'avez pas loupé grand chose, c'est des petites guerres saintes qui ne demandaient pas grand chose. Hein. Ça vous prenait juste un peu de temps. Donc je les ai effectués. Et maintenant nous allons attaquer le terrain plat défenseur. Hop, imprévisible, c'est bien. Je prends pas la cavalerie parce que... Ah non, c'est une pénalité contre la pour l'infanterie légère. Moi ça pose pas de problème alors. Un ailier, voilà. Voilà. Il faut savoir que Venise, vous ne pouvez y accéder que par la mer, parce que c'est un peu en fait un endroit indépendant. Hein. Ils ont décidé de faire ça comme ça, pourquoi pas. Hein. Même si je trouve ça bête. Pour tout ce qui est rébellion, ben j'ai constaté que j'avais quelques petits problèmes de forteresses hérétiques, donc je pourrais rien du tout pour contrer ça. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Et voilà, Venise est déjà tombée, ouais. Non, honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'ai une héritière aussi. Ouais, j'y pense aussi pour tout ce qui ça. J'ai une héritière. Ma femme est morte pour lui donner naissance. C'était génial. Je me suis marié avec la princesse de Géorgie. Vraiment des petits trucs. Bon, ça c'est des trucs habituels. Bon, c'est dire, c'est pas ça qui va changer une partie que vous l'ayez vue ou pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai rien dû avoir d'autre, je suis en train de réfléchir. Oh bah, vous avez pas loupé grand chose. Bon. Ouais, cette armée là, vu que l'autre n'arrive pas à nous faire gagner. Bon, vous constatez aussi que Venise n'est pas très bien protégée, à part avec ses troupes, mais bon. Voilà, c'est plutôt un endroit très peu protégé. Et ben voilà, elle est déjà gagnée. Ouais, on pourra rétablir l'Empire romain dans cette vidéo. Ouais, toi t'as le comté de Venise, duché de Venise, tiens. Donc voilà. Bon. Allez. Ça fait longtemps qu'on voulait ça, donc on va le faire. L'aube d'une ère nouvelle. L'aube d'une ère nouvelle. Amis, Romains, compatriotes, écoutez-moi. Après le couvrement miraculeux des territoires perdus depuis des siècles, l'Empire romain a ressuscité. L'Europe a connu des temps durs depuis les barbares ont pris d'assaut les frontières impériales. Et comme d'hab, c'est toujours coupé. Estos perpetuo. Je tiens le titre Auguste et maintenant l'Empereur sera le glorieux. Faire de Rome la capitale. Rome sera de nouveau le siège de mon pouvoir. Voilà. Bon, bien évidemment,
On va changer une petite chose, hein. Faut que je retrouve par contre le titre de l'Empire romain. Voilà. Déjà deux, on va passer ça en max. De deux, on passe en primogéniture parce qu'il faut arrêter de déconner. Bizarre, bizarre. Je peux faire les deux. On va dire que c'est normal, on va dire que c'est un bug. Je crois pas avoir changé celle de l'Empire byzantin. Ah oui, voilà. Ça me revient. En fait, vous avez l'Empire byzantin, d'accord? Et une fois que vous restituez Rome, en fait, l'Empire byzantin devient l'Empire romain. Voilà, c'est temps que ça me revienne comment ça marchait. Et bien évidemment, on va restituer... par contre, vous retrouvez le titre d'Empire romain, voilà. Deux secondes. Voilà. Et voilà. Notre belle couleur rose, notre toute. Oula. Ouh. Ouais, bon. Voilà ce que je déteste quand on change les capitales de place. On change les capitales de place, mais nos technologies ne suivent pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire, se dire qu'en fait on rétablit une... Ah bah on change de capitale carrément. Moi ce que j'aurais pensé à base dans le jeu c'était que par exemple ouais, moi j'avais pas une technologie qu'elle soit transférée ici, mais en fait c'est pas le cas. C'est... Voilà, c'est gênant dans un point en fait, c'est gênant au niveau là. Donc voilà, je vais lever. Ah oui, parce que la marée, quoi, j'ai oublié. Bon, bref, bon, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Il doit moyennement apprécier tout ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'Empire romain est restitué. Bon. Alors, recherche dignitaire. Dévoiler des complots ici. Effet de technologie, voilà. Ma Bourgogne va être donnée à elle. Parce que j'ai plus rien à faire en Bourgogne. Et pour ceux qui sont intéressés, voilà le nouveau drapeau qu'on a. SPQR, qui signifie Senatus Populus qui est Romanus, c'est-à-dire Sénat et peuple romain. Et donc l'aigle impériale avec bien évidemment autour la couronne de laurier. Bon, je vais juste m'occuper, je vais faire une toute petite élite, je vais juste m'occuper de remettre les lois comme les technologies comme c'était avant. Et je signe nouveau à vous après. A tout de suite. Donc nous voilà, comme promis c'était extrêmement rapide, donc voilà, j'ai tout réglé pour qu'on ait plus de problèmes. Et maintenant, nous allons faire les guerres que je... Pour la deuxième fois depuis la chute de l'Occident, l'Italie était libérée et est revenue sous les bons ordres des Romains. Espérons que cette fois soit la bonne, la grande cité de Rome est maintenant à vous et quelques soldats comptent parmi le... Ça commence à être chiant que ça soit toujours coupé, mais bon... Ouais, en fait, dès que vous avez rétabli en fait une province totalement sous Rome, comparée à l'ancienne, hein, vous voyez, il y avait Rome, la toute première Rome, et dès que vous avez restitué en fait les royaumes qui... Attendez, royaumes, je cherche, royaumes. Et dès que vous remettez les royaumes, bon, royaumes, voilà. Par exemple, voilà, il y a l'Italie, une fois que vous la remettez entièrement sous contrôle de Rome, vous avez du prestige en plus, pareil quand vous remettez à France, ici, bon. En gros, dès que vous remettez tout, vous gagnez toujours plein de prestige en plus. Donc ça donne... une bonne durabilité de vie, hein. Je peux pas nier. Donc, et maintenant vous avez aussi ça. Ça s'appelle la reconquête impériale. De... Disons que, comme c'est précisé en fait, on peut utiliser la reconquête impériale pour récupérer tous les territoires qui nous manquent. C'est de la grosse triche, faut dire ce qu'il y a, mais c'est tellement pratique.
Bon, ici, je crois que je peux utiliser. Wow. Non, non, c'est une revendication personnelle. Là. Wow. Disons que ça. Ça peut tellement être pété, ça. Bon, la rocade impériale, ça se met en fait sur les territoires d'Empire romain. De plus, j'avais le royaume de France à une époque, je vous rappelle. Et étonné que c'était mon titre principal, que j'ai désigné maintenant Empire romain comme mon titre principal, ben, il considère que le territoire d'Empire de France est devenu le territoire d'Empire byzantin, en fait. D'Empire romain. Vous voyez, voilà, il considère ça, en fait. En gros, comme si mon rôle d'empereur de France n'existe plus. Donc voilà, ouais, c'est... Bon, petite anecdote, hein. Bien, hop. Donc alors, l'Empire romain, bon, comme je vous ai sorti une petite phrase en latin, faut dire qu'à base, c'était le Sénat qui contrôlait tout. On va me dire, ouais, bah, c'était bien le Sénat, c'était une sorte de démocratie. Oui et non. Ouais, ils ont instauré, c'est nickel. Le gros problème, en fait, que va connaître l'Empire romain, ce qu'il faut quand même me dire. Oh. Mais, il gagne plus d'argent parce qu'il paye plus. Un gros problème que va connaître le Sénat, c'est que le Sénat, c'est très pratique quand vous avez peu de territoire à gérer. Ce qui va se passer, c'est que le Sénat va évidemment, voilà, les terres vont agrandir, agrandir, agrandir. Et ça va plus être... ça va devenir trop grand pour le Sénat. Et Jules César se rend compte en fait que le Sénat commence à être de plus en plus corrompu, que ça commence à devenir de n'importe quoi et ça risque de dégénérer. Décide d'envahir carrément. Faut quand même vouloir. Ouais. Mais c'est tellement pété ça. Hop. En fait, je reconquéris par duché avec eux. Je dois avoir une, deux, trois, quatre, ouais, c'est ça. Donc, Jules César se décide, en fait, déjà de un, il va être déclaré ennemi d'État par le Sénat, alors qu'il a toujours fait pour agrandir à splendeur de Rome. Et de deux, se rend compte que le système est totalement corrompu. Et décide donc, par la même occasion, de... Vu qu'il voit qu'il y a quand même un gros problème... Demi-frère, d'accord. Ouais, on va mettre lui. Vu qu'il voit que le Sénat a déjà de 1 déclaré ennemi d'État, donc il veut pas trop. De 2, il le jalouse un peu de ses pouvoirs. Et de 3, il se rend compte que le Sénat commence à vraiment partir en vrille, que c'est n'est plus bon à rien. Il décide donc d'envahir carrément Rome. Ah, c'est comme ça que ça va être instauré. Et... En réalité, il traversait là, je sais plus quel fleuve. J'ai un trou de mémoire là. Bon, il y a un fleuve en réalité, normalement, quand vous êtes général d'une légion, vous devez laisser votre légion ici, vous continuez tout seul à Rome. Il n'a pas écouté ça, et donc il est descendu avec sa légion directement sur Rome. Et bien évidemment, vu que t'as pas le droit d'avoir tes légions vers Rome, ben, il s'est passé que... Le Sénat est tombé en très peu de temps. On va vous dire, c'est bien fait pour Orgueil. Hein. Et Jules César, en arrivant, va être un peu recueilli comme un héros. Il veut pas, en fait, enlever les sénateurs, parce que pour lui, il pense que ça devrait aller. Il se rend compte qu'en fait, ça va pas, comme c'est fait. Donc il décide, en fait, d'être à base des sénateurs à vie. Mais en réalité, il va devenir empereur. Et ce qui va se passer, c'est que... Le Sénat est un peu sous sa botte, mais ça reste un peu eux, la légitimité du pouvoir à Rome. Donc ça reste eux qui sont souvent écoutés. Et il veut à tout prix que les écoutent.
Bon, pour cela, ben, faut faire ce qui doit être fait, hein, c'est-à-dire les garder en vie. Il va donc être déclaré empereur et même être déclaré même premier empereur. Le fait de devenir empereur, c'est peu. Là, ça va être créé, en fait, c'est tout premier empire qui va être créé de 1. Et de 2, tous les titres d'empereur suivants, comme j'ai déjà pu expliquer, font toujours référence en fait à l'empereur Jules César. Parce que c'est à la base lui qui a créé quand même tout ce qui était l'idée même d'empereur, d'empire en fait. Donc c'est à cet instant-là en fait qu'il va devenir en gros empereur total. L'ancienne province romaine d'Illyrie nouveau était rendue et sa propriété intermédiaire au sein de la Renaissance Imperium Romanum. Les rives de l'Adriatique étant sécurisées, ce lieu d'enrôlement pourra s'avérer futile lors des futures campagnes de Rome. Donc via l'Empire là, vous voyez, on va avoir reconquéri ici. Et c'est tout ça en fait, c'est... J'ai un gros reproche parce que vous voyez, si les trucs sont découpés, je sais pas pourquoi c'est coupé. Mais sinon c'est super sympa parce que ça vous donne envie en fait de toujours chercher plus de territoire. Donc, ouais. Donc revenons à l'Empire romain, ça va finir que Jules César va devenir le premier empereur et maintenant après ça va être transmis de génération en génération. Donc ses enfants sont alors après empereur romain, tout ça. Bon, j'évite de passer la guerre civile qu'il y a eu aussi quand il est devenu empereur. Hein. Bon, ça je mets ça entre côté. Hein. On m'explique pourquoi ça me dit un jour, là, c'est un bug ou... Je pense. Bon. Et mine de rien, tout ça, ça va faire que ça va renforcer un peu la force de César, parce que tout le peuple va vraiment que soutenir, en fait. Parce que je vous rappelle que toutes ces campagnes ont toujours été brillantes, que c'est un très grand général, tout ça, et ce qui va faire, en fait, qu'il va avoir un grand soutien parmi la population. Comme diraient les latins, la plèbe le soutenait. La plèbe signifie le peuple en latin. Donc voilà, le peuple le soutenait et en quelque sorte, c'est pour le peuple qu'il a fait tout ça. En quelque sorte, parce que c'est quand même pour lui, à la base, quand même, qu'il l'a fait. Mais voilà. Et toutes ces conquêtes font que... Voilà, on a confiance en lui. Et lorsqu'il va être assassiné par justement les sénateurs, notamment son fils, il y a une phrase célèbre qui dit Brutus, toi non, toi aussi, je crois, j'ai un doute sur la réplique exacte. En gros, pour dire que même son fils Brutus était dans le complot pour assassiner, et il a été tué en fait. Je le dis haut et clair, ben, Jules César a été assassiné. Bon, je pense que vous le savez déjà. Et son assassinat va, comment dire, redégénérer en une nouvelle guerre civile. Hein. Mais quand une ne suffit pas, deux guerres civiles, c'est mieux. Bien évidemment. Et c'est... Voilà, ça, là, c'est vraiment le début, en fait, de la fin de l'Empire. Enfin, le début et la fin. Puis plus tard, on va se rendre compte que l'Empire est beaucoup trop grand. Parce que je vous rappelle, je fais référence à la vidéo précédente. L'Empire byzantin, ça sera normalement l'Empire d'Orient. L'Empire romain, sera l'Empire d'Occident. Donc je vois. Donc en gros, on aura l'Empire d'Occident et d'Orient. Donc deux empereurs, parce qu'on se rend compte que le pouvoir ne peut pas être géré par un seul. Mais ça va finir qu'au final, ben... Tout va se disloquer petit à petit, étant donné que voilà, vous avez beau être un empereur, tout ça. Quand l'empire est trop grand, ça commence à dégénérer. Ce qui va se passer, c'est que les barbares vont arriver de plus en plus nombreux. Ça va y avoir des guerres civiles de plus en plus nombreuses. Les légions romaines vont être battues, tout ça. Bon, ça sera vraiment un peu l'époque, en gros, un peu sombre. En fait, faut dire que l'Empire, quand il va être instauré, l'arrivée de l'Empire au début va plutôt bien se passer. Il y aura certains empereurs qui vont vraiment faire de très grandes choses pour cet empire.
Mais en grande partie, l'Empire va la puissance entraîner la chute de Rome en fait. Le Sénat n'aurait jamais pu gérer un d'aussi grand territoire, ça c'est sa vérité. Mais un empire aussi grand a aussi ce problème-là. C'est pour l'époque, je vois un peu qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyens de communication comme ça, il n'y a pas de véhicule. Donc, vous avez un problème dans une province, il faut des semaines et des semaines, voire même des mois, pour que des légions puissent y aller. Normalement, vous êtes toujours des légions stationnées à des endroits stratégiques, mais bon, il faut quand même le temps d'y aller. Et c'est un problème, ça. Par exemple, vous avez une rébellion, par exemple, on va dire en Bretagne, si vous devez amener par exemple la légion de Gaulle, le temps qu'elle parte, par exemple, d'ici de Gaulle, d'arriver jusqu'ici, je vous dis pas le temps déjà, rien que le temps d'y aller. Et ce qui peut se passer, c'est que ben, il y a la guerre, la petite rébellion normande qui aurait dû être sans vraiment de difficulté à arrêter, ben, s'est transformée en véritable guerre d'indépendance, on peut dire. Et ce qui se passe, ben, qu'ils arrivent trop tard, voilà. Et c'est ça en fait qui va vraiment entraîner la chute de Rome petit à petit, c'est que l'espace est trop grand, ils n'ont pas assez de troupes pour la gérer. Aujourd'hui, gérer un empire comme ça, c'est vraiment plus facile. À l'époque, voilà, c'est quand même extrêmement difficile, hein. Bon, bien évidemment, je passe sur le fait que il y a eu les quelques petites démêlées, ouais, démêlées, ça va mieux, avec maintenant l'empereur de Byzance et l'empereur de Rome, hein. Étant donné qu'ils étaient un peu... Voilà, un moins le royaume de Pays de Galles. Voilà. Ici, on construit un château. Ici aussi. J'ai tellement d'argent que maintenant, ouais, vous voyez, je construis. Donc, royaume du Pays de Galles maintenant. Il s'en va quoi? D'accord. Ah, il est ici. Gros problème quand vous avez trop de petits doigts, c'est... Quoi? Je comprends pas pourquoi je passe autant de fois. Ah bah oui, je suis la seule personne qui vote sur ses doigts, c'est sûr que c'est déjà plus rapide. Je vous pose quand même bien la question comment ça se fait que je peux modifier aussi souvent mes doigts. Normalement, je peux modifier qu'une fois les doigts par personne. Là, je comprends pas. Bon, tant pis. On voit. Et quand vous gagnez une guerre, ben voilà ce qui se passe. En honneur de la récente victoire de l'Empire, il sera approprié d'organiser un triomphe dans la capitale pour célébrer le retour des valeureux soldats qui ont combattu un héros dans cette campagne. Ce sera onéreux, mais le peuple ne s'attend à rien d'autre, je crois. Dès que vous gagnez une guerre, quand vous êtes par exemple, avec une fois que vous avez l'Empire byzantin. Et que c'est votre titre principal ou l'Empire romain qui est devenu votre titre principal. Quand vous gagnez une guerre contre un roi ou un empereur, vous avez trois choix. Plus ou moins onéreux. La première, c'est que vous refusez de célébrer ça. Vous perdez du prestige. La deuxième, vous dépensez un peu, vous gagnez un peu de prestige. Et la troisième, vous coûte très cher. Mais vous gagnez un bon petit paquet de prestige. Bon, vu que je suis riche, je m'en fiche. Mais c'est vraiment un moyen très pratique pour gagner des guerres, et moi je pense c'est aussi une grande chose qui faisait Rome, c'est que dès qu'une campagne était victorieuse, le grand triomphe a lieu à l'hippodrome pour célébrer braves généraux et soldats qui ont vaincu les ennemis de l'Empire. Le peuple acclame le passage de trompettistes ouvrant une grande procession composée de soldats, de chars remplis de butins de guerre, etc. Vos vassaux sont impressionnés par ce truc de guerre, et c'est justement pour ça que je... d'emprisonner toi. C'est pour ça que je me force à faire ça, parce que les vassaux en fait sont impressionnés. Je sais pas si ça a une importance sur eux. Voilà, la glorieuse célébration plus 20. Voilà, c'est bien ce que je pensais.
Donc faire ça, vous gagnez plus 20 à ensemble de vos vassaux. Donc c'est dire que vos vassaux ont moins tendance à vous faire la guerre. D'où l'utilité de faire ce que je viens de faire et donc de faire une procession. Même si c'est très coûteux, vous gagnez peut-être pas autant de prestige que vous voudriez en gagner, hein. Je gagne plus de prestige pour moi que ce que ça m'a que ça. Mais le simple fait que ça évite que vos vassaux soient mécontents, honnêtement, ça vaut tout l'or du monde, hein. Ça évite en fait des problèmes futurs. Et mine de rien, ça c'est vraiment pratique. Voilà, vous faites déjà le tournoi, ça rajoute plus 10 à tout le monde. Vous faites en plus ça, vous gagnez déjà plus 30. En tout, plus 10, plus 20. Et plus 20, ça fait plus 30 au final. Donc au final, vous pouvez facilement impressionner vos vassaux grâce à des démonstrations comme ça. Les trêves expirent. Ah, il est hors d'or, je pourrais ma tour déclarer guerre. Ouais, c'est une des principales importances justement de l'Empire byzantin, c'est ça en fait. Vous êtes certes embêté, même l'Empire romain, voilà. Vous êtes vraiment embêté par tout ça. Au final, vous gagnez tellement d'argent normalement par la suite que vous en fichez. Voilà. Il est même préférable de dépenser votre argent pour éviter des rébellions de vos vassaux. Parce que sur le long terme, c'est plus rentable que, par exemple, vous dites, oh, bon, pas grave, ils vont se rébeller, ils vont se rébeller. Vous dépensez pas votre argent. Ils vont se rébeller, donc vous allez gagner moins d'argent. Oups. Ouais, c'est. Moi, je vous conseillerais toujours de, comme je viens de dire, de faire ça. Après, si vous n'avez pas d'argent, célébrez tout de même. Même si c'est pas beaucoup d'argent, essayez de célébrer, ouais, dans vos moyens. Évitez quand même de. Là, par exemple, vous voyez là, vous n'avez pas tous les fonds pour le faire à grande. Ne célébrez pas une grande, faites une moyenne alors. Ça aura au moins le mérite d'éviter un trop grand mécontentement dans la population. Comme j'ai déjà dit, rien que pour ça, ça vaut le coup, hein. Rien que pour ça, pour pas avoir d'ennuis futurs. Bon, en tout cas, maintenant nous avons d'autres guerres à faire. Ah, j'ai pas de guerre impériale. Bon, en réalité, là, je pourrais faire des guerres impériales. Bon, c'est bizarre qu'ils me disent pas. Une guerre ici. Parce que là, ça va être en fait reprendre l'Afrique du Nord en quelque sorte. Il y a l'Égypte aussi que je devrais essayer de capturer. Parce que ça me. Ah, parfait. Voilà. Comté de Ghana. Tout ce qu'il y a dedans, le duché de Ghana. Voilà. Ouais, j'essaie vraiment de donner aux barons maintenant mes titres, comme vous avez déjà pu constater. Ça évite les mauvaises surprises, on peut le dire. Bon, je fais pas de casus belli sur là-dessus, mais bon, c'est pas grave, hein. Si c'est une guerre d'indépendance, je les soutiens. Oh oui, oh, oh, c'est bon. Bah, je vais la soutenir. Comme ça, l'Irlande et l'Écosse seront deux royaumes indépendants. Bah, j'explique pourquoi je fais ça. Bon, je regardais pour faire les guerres saintes sur le flanc oriental de mes provinces.
Ouais, oui, je pense que je peux déclarer la guerre sans aucun problème. On va récupérer Mossoul, lui. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Oui. On va récupérer Mossoul aussi, allez hop. Voilà. Lui, est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Je peux pas. On va déjà finir. Il y a plein de guerres, ouais, vous voyez. L'avantage d'arriver au stade où j'en suis, c'est qu'on peut faire des guerres partout sans aucun problème. Bon, il y a quelques guerres, mais bon. Évidemment, je vous rappelle un petit fait historique, c'est qu'on considérait à cette époque-là que Rome, la Méditerranée, était un peu le centre du monde. Avoir toute la Méditerranée à l'époque romaine, c'était en gros contrôler entièrement... Et je te libère. Voilà. Contrôler la Méditerranée, en fait, c'était contrôler le monde pour les Romains. D'un côté, c'est pas faux, parce que c'est quand même toutes les terres qu'on pouvait avoir. Voilà, c'est comme une très grande surface. Ça se comprend qu'il pouvait comprendre ça. Bon, après, soyons honnêtes, ça faisait quand même beaucoup. Faire quoi en fait pour qu'elle les revende? Bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai comme promis, ça m'arrive à notre objectif de reformer l'Empire romain. Vu qu'il nous reste à peu près un siècle et demi pour cette campagne, je pense que nous aurons le temps de capturer ce qui reste à capturer. Bon, la Russie, voilà, je capture un peu ici, je me dis, je pourrais bientôt devenir roi de Russie. M'occuper de la Lituanie, je pense c'est qu'une question de temps. Bon, le Mali, 3 guerres saintes, je pense que ça devrait être bon. On peut vérifier ça, une guerre sainte pour ici, une deuxième ici. Ouais, 3 guerres saintes et le Mali sera tombé. Vu qu'ici c'est totalement découpé, ça devrait plutôt être rapidement récupéré. Bon, ici ça fait que 2 duchés, donc ça sera vite récupéré. Ouais. Je pense que dans cette campagne là, il sera peut-être possible qu'on ait tout capturé, hein. En tout cas, bon. Au moins on pourra nous dire, on a créé l'Empire romain et on a tout capturé. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, qu'on ait enfin réussi notre objectif qu'on s'était fixé au début de cette campagne. Hein. Qui était de restaurer l'Empire romain, faut dire ce qu'il y a. À base, on s'était dit, bon, on va voir ce que ça va devenir. Finalement, on a réussi l'un des objectifs les plus durs à accomplir dans le jeu. Bon, j'ai beaucoup de bugs qui m'ont aidé, mais bon, n'empêche que nous l'avons réussi. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé en tout cas un agréable moment à ma compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo.